Hello les amis, c'est Mitra Pneuma, Nintendo Alert Station of Play, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour une soluce, c'est un petit peu différent, je vais vous retrouver pour une discussion qu'on pourrait avoir entre nous. Alors attention, je vous arrête tout de suite, ceux qui voudraient partir dans des... c'est un jeu vidéo, tais-toi, c'est vraiment assez entre amis, on va donner... notre avis entre amis, j'adore Zelda, je suis une fan de Xenoblade Chronicles, donc je serais vraiment mal placée pour faire la morale dans les jeux vidéo. Ça a été énormément décrié pour le design, le chara-design des personnages. Donc voilà, c'est juste pour une discussion entre nous, un truc sympa, je voudrais pas que ça parte en polémique, donc gardez ça en tête pour cette vidéo. Alors, je voudrais vous parler des grandes fées. Alors moi, je les adore, elles sont ultra utiles. Mais je me souviens que dans Breath of the Wild, je jouais avec mon neveu qui avait 6 ans et qui trouvait ça très bizarre. Mais qu'est-ce qu'elles sont bizarres ces grandes fées? Pourquoi elles font ça à Link? Ben, il avait vraiment des questions et je me... Et c'est vrai que du coup, ça m'a mis très très mal à l'aise. Et quand on prend avec du recul ces grandes fées et ce qu'elles font, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Remettons dans un contexte, imaginons que l'héroïne ce soit Zelda et que ce soit un sorcier à la place des fées. C'est quand même effectivement un peu bizarre. Donc je vais vous montrer pourquoi je les trouve. Ah, voilà, déjà ces cris, ces petits. Voilà, ces gémissements. Puis j'avais reconnu ton parfum, mon mignon. Essayez un petit peu de mettre ça, de transposer ça avec une fille et un sorcier qui sortirait de sa fontaine comme ça et qui pousserait des petits gémissements en disant « J'avais reconnu ton parfum, ma mignonne. » Déjà là, bon, je pense que ça passerait pas aussi bien que Link. Première chose. Donc, déjà, les gémissements, moi, ça me met de manière générale un peu mal à l'aise. Et je ne jouerai pas à Zelda les fenêtres grandes ouvertes avec des gens qui passent, le son à fond avec voilà, cette fée qui gémit. Bon, tout simplement. Donc, on va continuer. Donc là, elle demande de lui demande de fermer les yeux. Et au final, elle l'embrasse de force, quoi. Il n'y a pas de consentement. Elle l'embrasse de force. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oh là, t'en fais tout un cinéma. Non, mais transposer ça à Zelda, je suis certaine que ça passe pas. Donc là, première étape, elle l'embrasse. Elle demande de fermer les yeux, elle l'embrasse de force. Bon, vraiment, on passe sur les gémissements. Ça, on les connaît tous. C'est... Bref. Allez, on continue donc sur la deuxième étape de ce que la grande fée fait subir à ce pauvre Link. Donc à chaque fois, elle lui demande de fermer les yeux. Hein. Il n'a pas l'air d'apprécier ça outre mesure en plus, Link. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Quand je jouais avec mon neveu, je passais les cinématiques. C'est dire, hein. Allez, alors, ferme les yeux de nouveau. Là, c'est vraiment carrément, là, le... Regardez, hein, il ne veut pas... Alors, donc, remettez ça, j'insiste, remettez ça dans un autre contexte avec Zelda et un sorcier en face, hein, donc genre et homme... qui l'embrasse comme ça de force, mais jamais de la vie, ça ne passerait. On est bien d'accord là-dessus. Moi, ça me fait rire. Mais il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus. Jamais de la vie, ça ne passerait. Et alors, on va faire le stade final où là, on a un high level. Bien sûr, et je le dis avec le sourire, vous l'entendez bien, ça me fait sourire. Je suis pas en mode féminisme, le féminisme de dingue, c'est même refaites le jeu. Je le dis avec le sourire, mais il y a quand même de quoi, discuter. Allez, on enchaîne avec le dernier. Là, on atteint le summum. Là, il ferme les yeux, ce pauvre Link. Et là, elle te l'attrape, elle le câline, elle l'emmène dans sa fontaine.
on sait pas ce qui se passe. Mais quand Link ressort de là, regardez l'état. Mais imaginez vraiment 30 secondes que ce soit Zelda, un sorcier l'embarque de force, il la câline dans la fontaine et il le ressort comme ça. Qu'est-ce qu'on dirait? Même moi, qui sais, j'arrive à faire la part des choses, je vous dis, je joue à Xenoblade Chronicles, ça reste, pour moi, ça reste, voilà, c'est du jeu vidéo, il faut relativiser, mais quand même, moi, je suis tout, j'ai une sorte de, je trouve ça malaisant, cette attitude des faits. Non, je veux pas partir dans un débat, s'il vous plaît, hein, ne commencez pas à essayer de m'afficher ou de dire que, voilà, que je veux casser la tête dans les jeux vidéo. Non. Mais la question se pose, est-ce que vous trouvez que ces faits sont malaisantes? Est-ce que vous pensez que ça passerait si c'était Zelda? Est-ce que ça passerait si c'était Zelda avec même une fée, même si ça restait une fée féminine ou... Encore moins avec un homme, à mon avis, mais enfin, bref. Que pensez-vous des faits? Est-ce que vous les trouvez vraiment malaisantes? Est-ce que vous trouvez que c'est marrant? Moi, je trouve ça marrant, je le dis avec le sourire, mais est-ce que vous pensez que ça passerait si c'était Zelda? Moi, je dis que non. Maintenant, j'attends vos avis. N'hésitez pas à les partager. Et si vous avez d'autres, comme ça, d'autres petites anecdotes ou des personnages qui vous mettent mal à l'aise, des personnages qui vous font rire, des choses que vous trouvez borderline, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.